Wesh, wesh les gens. Comment ça va? Bon, confirmez-moi qu'il y a bien le son du micro, normalement oui. Ça devrait le faire. Par contre, je sais pas combien de temps il y a en délai entre Skype. Entre ce que je dis et le live, donc on va bien voir. Alors, je ferme Chrome. Ça c'est fait. Oui, wesh wesh canapèche, ciao. Ouais, ça va, Dragonfire, ça va, ça va. Bon. Ta gueule, Snap. Je t'emmerde. Je vais entendre ta voix désagréable demain dans Inferno Minds aussi. Ça va être génial. Alors. Je vais peut-être lancer le jeu, hein, ce serait pas mal. Combien vous êtes là pour l'instant? Pas beaucoup, mais on s'en fout. Ce sera familial. Je compte sur vous pour voir mes fails. Ça va être rigolo. Il y aura peut-être de la perte d'image. Oui, mais c'est normal. Normalement, il y a une vingtaine de secondes à peu près entre le chat et la voix. À peu près. Généralement, hein, c'est un peu plus de. C'est environ 20 secondes. Et je crois qu'il y aura une légère perte d'image, d'après ce que je vois. Sûrement à régler dans les prochains lives donc. Salut mayonnaise. Comment tu sais que j'ai trois têtes? Non, Snap, je vais essayer de pas crever dans l'utéro. Alors déjà, coupe la musique. Et hop, voilà, je vais en chier, hein, comme l'en atteste l'image. Et je lance le jeu et normalement ça devrait le faire. Loading. Bah voilà! A priori c'est cool! Ok DS, tu me payes le grec si je gagne. Par contre si je perds, je te paye pas le grec. On verra ça à la Japan. Le son du jeu est-il bon? Est-ce qu'il est pas trop fort comparé à ma voix ou un truc du genre? Avec le lag, il va falloir que j'attende. Théoriquement, j'ai bien réglé, donc le son du jeu devrait être pas trop trop mal. Même s'il n'y a pas trop trop de son. Bon! Je regarde vite fait Skype, ce qu'on me dit. Je kiffe Erwan, ils vont pas gagner. Ok. Faible par rapport à ta voix, ouais, mais j'avais. Ok. J'augmente légèrement. Parce que moi je me rends pas compte en fait. Bon, ça devrait être mieux là. Alors, who I am? Bonne question. Oh putain, va falloir que je me réhabitue. Je pense que pour le premier coup, je vais prendre Isaac. Bah DS, si tu veux qu'on sache à peu près le nombre de temps qu'il y a entre le décalage de la voix et du chat, je peux marquer un top dans le chat et je marque un top dans le chat et en même temps je le dis. Ça peut vous donner à peu près le temps de décalage, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Enfin, je vais attendre un peu le temps que ça vous atteigne aux oreilles. Voilà, donc top. Comme ça, vous pourrez me dire le décalage à peu près. 15-20 secondes, hein, normalement.
Et bah sur ce, on va commencer, hein. Let's go. Alors, je vais quand même parler vite fait du jeu pour ceux qui connaissent pas, hein, pour ceux qui regardent l'art diff. Binding of Isaac, ou Binding of Isaac, si je veux bien parler. C'est un roguelike, donc très inspiré de The Legend of Zelda, où je dirige Isaac, hein, ZQSD pour se déplacer, et je peux attaquer avec mes larmes, ah oui. Je peux poser des bombes, et là j'ai un item, donc là j'ai le D6 qui me permet de random un peu les... Je vais baisser le son du jeu, parce qu'il pour moi il est un peu trop fort. Voilà, c'est mieux. Donc, et ben on va commencer. Et ça commence bien. J'ai envie de reroll tout de suite. Oh putain, c'est pas mieux. Bon. Pour baisser la résolution, il me semble que sous le Twitch, je sais plus si ça y est encore, il y a une clé à molette où tu peux dire low, medium ou high, un truc du genre. Alors si vous voyez le jeu ramer, c'est normal, c'est le jeu qui rame normalement. Hein. Si par contre vous ramez, ce sera des pertes d'image. Mais pour moi le jeu est fluide, donc fluide. Ça rame, mais j'ai pas de perte d'image quoi. Bon bah pour l'instant tout va bien. Des monstres de merde. Faudra que j'explique vite fait. Hein. Donc je crache mes larmes, j'ai. Comme vous voyez en haut, j'ai 3 cœurs pour l'instant. En haut à gauche, j'ai la map. Et en termes d'items, bah pour l'instant il y a des cœurs. Je viens de récupérer une pièce il y a 2-3 secondes là à peu près. Et bah tiens, il y en a une qui vient de drop. Et également il y a des bombes. Et il y a des clés aussi. Et devant moi, la salle du boss. Putain. On va peut-être tenter de voir où est la secret room. Ah, quoi que y ait. Ouais, ouais, je sais, je drop des frames, j'en drop environ 20%. Je drop environ 20% de frame death. Donc, là, j'ai un rocher bleu. Allez, hop. On y va. Oh, putain, mais t'es sérieux? Non, je peux pas l'ouvrir, j'ai pas de clé. Bon bah j'aurais tenté. Tant pis pour la salle secrète. Tant pis pour la secret room. Je verrai. Pour au prochain. Oh monstro, oh, c'est cool. Ouais, pour la secret room, je verrai au prochain étage. Donc le premier boss du jeu, hein, c'est un boss relativement simple, il a pas trop. Non, pas Headless Horseman. Je me serais suicidé. Non, bon, monstro, c'est un monstre assez simple, vous voyez, il balance ses boules. Donc voilà, les attaques sont à base de boules. Ah, vous voyez les boules. Ah, putain, il attaque vachement là, enculé. En haut, vous voyez sa barre de vie, pour l'instant ça va. Je fais pas trop de dégâts parce que j'ai pas de. J'ai pas d'objet supplémentaire par rapport à mes larmes de base. Oui, ça va. Tout va bien. Putain, et en plus j'ai pas l'habitude de jouer avec, en jouant à Binding of Isaac. Hein. J'ai pas l'habitude de jouer. J'ai pas l'habitude de parler. Pardon. J'ai pas l'habitude de jouer en jouant. Ouais. N'importe quoi. Ouais, donc je serais peut-être moins concentré que d'habitude. T'as refresh, c'est ça? Mayonnaise? Ou t'as mis en low ou un truc comme ça? Alors, pour l'instant, tout va bien. Je vais pas me prendre de dégâts, je pense. Quoique. Voilà, je pouvais pas l'esquiver. Ça va, il y a des cœurs à côté, donc... hein. Puis il m'en donne. Dog food, c'est cool. Je prends. Ah non, c'est dessert. Bon, c'est pareil. Ça m'a donné un cœur supplémentaire. Et vous le voyez en haut, j'ai à côté du D6. À côté du D6, j'ai 6 petits carrés gris. Salut Bafam, comment ça va? Donc à côté du D6, j'ai 6 petits carrés gris et ça indique la charge de l'objet. Donc là, il est chargé à fond, je vais pouvoir reroll le 25 pièges, je m'en fiche un peu pour l'instant. Oh, putain. Ça, c'est un objet de merde.
Je ne le prends pas. J'aurais dû prendre les pièces, du coup. J'étais débile. Ah, d'accord. Les viewers n'ont pas le choix de la qualité avant que tu aies un certain nombre de viewers. Ah bah, c'est bon à savoir. Bah, je te remercie, hein. Étant donné que c'est mon premier live, je ne suis pas censé savoir. Et bah, du coup, bah, on va s'excéder. On va accéder au deuxième level. Oh oui. Je vous laisse les petites cinématiques parce que c'est assez drôle. Voilà, j'ai eu un caca et j'ai mon pas qui fait ha ha. Et malheureusement, je suis dans The Cellar. Un petit rototo. Donc, The Cellar c'était inclus dans le DLC et ça rajoute les araignées. Notamment comme mob, qui sont assez chiantes d'ailleurs. Les araignées avec leur mouvement random. Putain, ah quoi, oh, génial, une clé, génial. Ça me permettra d'accéder à la salle du trésor de cet étage. Non, je savais pas que t'étais le 17ème docteur. Alors, les pelotes de fil d'araignée, j'allais dire les pelotes de laine. Oui. Bon, des nids à araignée, bon, je vais les péter avant que ça en drop. Que ça en pop. J'ai une bombe. Au pire, je pourrais chercher la salle secrète. Alors toi, je sais plus si t'exploses. Ce serait relativement cool. Ok. L'autre, je vais essayer de le faire exploser en bas. Ça me permettrait peut-être d'économiser une bombe. Alors toi, viens par là. Non? Oui, non, non. Bon, d'accord, va te faire mettre, je te tue. Oh! Oh oui! Alors ça, c'est la clé dorée, et ça me permet d'ouvrir toutes les portes du niveau gratuitement, sans avoir à utiliser de clé. Donc là, pour l'instant, j'en ai une, et vous avez vu en haut, il y a une petite clé dorée qui est apparue. Donc ce qui veut dire que cette porte-là, je peux l'ouvrir, et voilà, ça me permet de pas perdre de clé. Donc c'est relativement cool. Je vais rien prendre, c'est de la merde. Puis, théoriquement, j'ai pas assez de clés, je pourrais me prendre un cœur à la rigueur. Je regarde vite fait. La secret room peut être en dessous de la salle du shop. Je pense qu'elle devrait être là. Ça va, c'était bon. Un truc de TNT, si. Non. Bon, bah voilà, parfait. Ouais, si je l'attaque, ça explose, c'est ce que j'allais dire. Un cœur. Ok, bah on va. Ouais, la clé dorée, c'est un peu useless, mais bon, si ça peut me permettre d'économiser... Si ça me permet d'économiser une... Ah, merde. Une clé pour ouvrir cette porte de merde, et je prends des dégâts comme un gros con. C'est toujours ça de prix, disons. Mais c'est vrai que dans Basement, c'est useless. Hein. Ah bah tiens, j'en ai encore eu une, je l'ai récupérée tout à l'heure. Et... Ouais. Bah, je dis pas non, écoute. Harley Quinn Baby. Alors, Binding of Isaac, il y a plusieurs types d'objets. Il y a les... Hop là, une pièce. Il y a les pièces, bien sûr. Hein. Mais il y a les objets qui permettent d'améliorer mes stats. Notamment la vitesse de tir, qui permet d'avoir des tirs un peu spéciaux. Et Oh non, j'ai visité tout l'étage. Je viens d'avoir un... Comment ça s'appelle déjà? Pas un follower, mais un... Ah, putain. Je sais plus, peu importe. Un familier, voilà. Un familier et ils peuvent tirer des boules. Et j'ai découvert la salle secrète, donc c'est génial. Bah tiens, Snap qui me disait qu'il serait jamais dans le shop avec 3 pièces. C'est vrai. Mais là j'en ai 11. Et ça va me servir à rien. Oui, familier, je sais. J'ai du mal sur le mot. Le boss. The Blighted Oven. Oh shit. Il est pas si chiant que ça. Il se contente juste de me suivre. Ça va, mais c'est juste que. Non, la Curse Room, non, j'y arrive pas. C'est juste que. Il laisse des traces, mais. Oh bah, il crève tout seul maintenant. D'accord, c'est cool. Encore un HP up, Rotten Meat, je dis pas non, et je vais aller récupérer le cœur que j'ai laissé à côté.
Voilà. C'est bon. Donc, j'ai rien d'autre à faire. Rien à foutre du shop. Donc, hop, étage suivant. Il y a eu un petit bug, j'ai eu le corps de Blue Baby pendant une seconde. Voilà, la scène du caca. Ah non, mes potes me voient. Oh fuck. Curse of the Labyrinth. Alors, que j'explique. Pour ceux qui regardent, la plupart de ceux qui sont là connaissent déjà le jeu. Pour ceux qui regardent la rediff, Curse of the Labyrinth, ça me fait avoir un niveau XL. Donc un niveau deux fois plus grand qui comporte donc Cave 1 et Cave 2. Donc un niveau deux fois plus grand avec deux boss, deux salles du trésor. C'est chiant. C'est très très chiant. Et vaut mieux tomber sur un Cave XL qu'un Catacombe XL, comme tu viens de dire, DS, d'ailleurs, pile poil quand je le dis d'ailleurs. Ça aurait été plus fun, non, pas tant que ça, quoi. Hop, ces monstres-là sont pas si chiants. Il suffit de rester dans l'alignement, vu qu'ils tirent en diagonale. Hop, j'en ai buté un. J'en ai buté deux. J'en ai buté trois. Une troll bombe. Non, non, non. Ces ennemis, ils sont cons. C'est moi qui suis con parce que je me prends des dégâts. ils drop des. Ils attaquent quand ils crèvent en fait. Donc c'est pas s'ils sont pas. Ils sont pas très 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 durs. Il suffit d'esquiver. D'être légèrement en retrait quand ils crèvent. Une pièce, oui. On va aller en haut. La première Treasure Room. Cool. Alors ça, c'est ce que j'appelle les crânes pas chiants. C'est les crânes que tu peux attaquer quand ils sont pas étendus, quoi. Tandis que les blancs, et tu peux les attaquer que quand ils sont étendus, et c'est chiant. Surtout qu'ils bug des fois. Alors, cette pièce s'est torchée. Une clé, génial. Et... Oh. Oh, Snap, tu vas me détester. Docteur Fœtus. Et voilà, maintenant, au lieu de tirer des larmes, je tire des bombes. Et c'est juste super génial, parce que j'ai plus besoin de bombes. Et je peux voir où est-ce qu'elles sont les salles secrètes. J'ai juste à tirer des bombes sur les murs. Bon, elle doit pas être là. Ah, oui. Quel bonheur. Je vous jure, c'est un bonheur d'avoir cet item. Hein. Bon, là, peut-être un petit... Ah non, ah, c'est bon, ça traverse le... Je m'en souvenais plus, ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu cet item, faut dire. Ouais, bah ça traverse le... Et que sert. Oui, voilà, ouais, j'ai un chapeau. Un cœur. Oh, merde, c'était un cœur... Bon. C'était un cœur plein. Bon. Mais... Alors, elle n'est pas là. Je vais visiter les pièces que j'ai déjà faites pour voir si j'ai pas la secret room. Ce serait pas mal. C'est là que j'ai Epic Fœtus, je serais mort de rire. Oh oui, c'est pété maintenant, je vais gagner. Enfin, je vais gagner, peut-être pas, mais... Peut-être pas. Mais c'est très cheaté, oui. Putain, mais... Tire bien, PD, voilà. Voilà, c'est bon, elle est pas là. Ah, ben maintenant, je peux accéder à... Meurs, elles sont encore plus ridicules. Nope. Alors, j'ai une pilule. Les pilules sont aléatoires. Et bombes archi. C'était pas vraiment celle qu'il me fallait. Voilà, Secret Room. Génial. Avec des pièces. Bon, j'ai pas eu la bonne pilule, ça me fait un peu chier. Si tu meurs, shame on you. Yes. Critax shit open air. Ah, super Secret Room. Évite de cracher sur l'écran, c'est dégueulasse. Et ben voilà, parfait. Alors, c'était un truc de divination. J'ai eu des clés dedans, donc c'est cool. Si tu faisais un live de Super Meat Boy, eh bah, pourquoi pas un jour?
D'ailleurs, Super Meat Boy a été fait par la même personne qui a fait The Binding of Isaac. Pills here. Puberté. Bon. J'ai plus mon chapeau. Ah, des mouches. Boum. Je pète un câble. Bon, je me prends des dégâts, bon. Rien à foutre. Voilà. Alors, je pourrais pas accéder à cette pilule, tant pis. Des mobs chiants, crevés. Merci, au revoir. C'était sympa de votre part. Voilà, toi t'es mort. Oh putain, non, oh non. Alors ça, c'est un mini-boss, donc. Il s'appelle Worf. C'est un des... comment il s'appelle déjà? Les Seven Deadly Sins. Donc l'un des 7 péchés capitaux, donc. Putain, en plus, avec Dr. Fetus, il va être chiant à battre. Il va être très chiant à battre, même. Ça va pas me plaire, ça. Et théoriquement, il peut me dropper un item... Putain, PD, va. Il peut me dropper un item intéressant à la fin. Ah bah voilà, là je l'ai eu. Ça fait plaisir. Voilà, il est mort. Et bah il m'a droppé des bombes, ce qui ne sert à rien. C'est super... c'est la version super... qui est mieux. Oui, Snap Wear One, oui. Pour le live de Meat Boy. Hein. J'ai pas vu le message. Hein. Ah oui, oui, mais on fait ce qu'on veut en live. Hein. Y a pas de. On fait pas nos siphano. Ah, t'as fait ce jeu, je ne le fais, je t'aime plus. Oui. Peut-être que je me reconcentre un peu. Oh non, oh, ces monstres-là, ils sont juste super chiants avec. J'ai bien visé. J'ai rien dit, ils sont pas super chiants. Alors, The Hermit. Putain, ça fait quoi ça déjà? Ça t'éporte pas à la Secret Room ou au shop ça? Ou à l'entrée du. Ou à l'entrée du level. Ah là, j'ai un gros doute là. Alors, j'ai peut-être joué des dizaines et des dizaines d'heures au jeu, mais j'ai quand même des doutes des fois sur des objets, c'est juste incroyable. Oh le con. Ah, j'ai pas fait attention au. Ouais, c'est pas grave, ça m'a donné une bombe. Mais j'ai pas fait attention à la. Au coffre au milieu. J'ai pas fait attention. Alors, il faudrait peut-être que je trouve la deuxième secret room. Trésor room. Oula. N'importe quoi. Ce serait pas mal avant que mon D6 soit déchargé ou avant que je trouve le boss. Oh, là. Encore eux là-bas. Boum. Boum. Ah bah, je les ai tous eu. Une bombe. Pff. Je vais la récupérer au cas où j'ai un autre bombe Zarki. Hermite égale shop. Oui, c'est bien ce que je pensais. J'ai 15 pièces. Même Shao... Ah non, mais Shao, elle le sait pas, en fait. Juste, elle l'a vu. Ah tiens, j'en parlais tout à l'heure, là, c'est... Hop, juste pour prendre la bombe, hein, au cas où j'ai la pilule tout à l'heure. J'ai 4 trucs, c'est un XL. 4 trucs, 4 pièges, c'est un XL. Bon, je vais l'utiliser au prochain. Hein. La ladder, ça peut être pas mal. Mais ça peut être moins... En fait, j'hésite. Ok, tu le sais. La ladder, je sais pas. Je sais pas si je la prends. J'hésite beaucoup. Très le beaucoup, hein. Parce que ça peut être pas mal pour esquiver les ennemis dans des salles chiantes. Je verrai après. Selon ce que vous me direz, je pense. Au pire, je le prendrai, hein, mais c'est pas l'item principal. C'est pas indispensable. Oui, je joue dans un TARDIS. Oh putain, oh non. Alors là, il y a une version super chiante. La version en bas, là, elle a des... Putain, j'arrive pas à la viser en plus. Elle a des trucs à tête chercheuse. Boum, t'es mort.
Ouais, il avait des larmes à tête chercheuse, le truc bidule. Voilà, là. Oh, mais. N'importe quoi. Je tire à gauche comme un gros con. Ah oui, eh, pas con, franchement. Ouais, je pourrais prendre le coffre, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Robot Baby, je prends. Hein, YOLO. J'ai pas tellement besoin d'autres. Ouais, je vais prendre le. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Je vais prendre l'échelle. Voilà. Elle était là. Voilà, j'y arrive. Ah, mais j'y pense. Voilà. Hop, et puis je vais prendre l'échelle. Voilà. The ladder. Oh yeah. Putain, il est super loin le coffre. Vous faites chier les mecs. Bon, au moins. Voilà. Ah, j'aurais pu prendre la secret room. Bon, c'est pas grave. Quoique. Ouais. Ouais. Et puis je peux prendre ça aussi, tiens. Speed up. Yeah. Cool. Alors maintenant, ce qu'il me faudrait, ce serait un petit. Des petits cœurs, quoi. Ce serait pas mal. Genre dans le coffre, là. Ce serait cool. Allez, ouais. Que va-t-on avoir? Déjà une bombe. Et. Oh, des cœurs. Génial. Même le jeu, c'est un... Même sur un jeu, c'est un branleur. Ah oui, ouais, je suis un gros branleur. Je confirme. Je confirme. Voilà. Ça va plus vite quand même. Ah, puis ouais, j'ai pas cassé les. Vas-y, robot baby, fais ton boulot. Tire, connard. Voilà. Bon, ouais, ça fait gagner un peu de temps. Bon. Blurk. Je me gratte le. Je me gratte la main gauche en même. Droite. Je me gratte la main gauche. Que j'utilise pour faire le ZQSD, mais c'est pas grave. Alors, eh ben on va voir ce que je vais avoir comme double boss. Ouais, mais j'ai plus assez de pièces pour le cœur en argent, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je pourrais avoir des pièces hein, dans les salles suivantes. Hein. Alors, par contre, lui, il va juste me faire chier. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Ok, une bombe, why not? La challenge room. Pourquoi pas? Esquive! Bon, je vais jouer avec les familiers là pour cela, parce qu'il va être juste relou. Quoique si j'appréhende. Non, apprenons pas ce mouvement, couillon! Si, apprends son mouvement, il va passer le... Il va pas passer là du tout. Voilà. Oh, mais non, je suis en boulet. Voilà. Pas trop tôt. Ah oui, mais je suis pas full health, donc je pourrais pas y aller. C'est pas grave. Comment c'est un trottoir, ouais. Fais de la merde aussi avec tes bombes. Tire au toto. Ça fait toujours plaisir, ça prend 2 secondes. Boum. Ouais, je vais prendre la bombe. Ah bah il y a le boss ici, j'avais même pas grillé. Ouais non. Je vais aller au. Ouais non, je vais pas gâcher la carte. Oh merde. Pas ce boss. Un des 7. Non, un des 7. Un des 4 chevaliers de la mort qui va mourir. Voilà, il est mort. Et j'ai eu un Meat Boy. Voilà, Cube of Meat. Oui, mais je fais pas la différence entre les boss challenge room et les challenge room normal. Donc, YOLO. Oh, pip. Et non, pip, PI2EP, hein, pas PIPE comme ce que les filles font aux garçons, une pipe. Ou ce que vous fumez quand vous êtes vieux. C'est pas bien de fumer d'ailleurs, ne fumez pas.
Je vous le déconseille. Alors, Pip, eh ben, en plus, Pip, il laisse des traces de pipi. Voilà, Pip. D'où le nom, hein, j'ai envie de dire. Bon, pas trop chiant aujourd'hui, le Pip. Hein. Mais le pire, c'est sa version 2 qui s'appelle The Bloat. J'ai pris un dégât comme un gros con. Qui s'appelle The Bloat, qui est juste méga chiante. C'est la Mom's Coin Purse, ça. Docteur Fœtus, non, c'est pas le truc utilisé dans le speedrun, c'est Epic Fœtus. Ah bah, j'ai plus besoin de pièces que... J'ai confondu la purse, l'autre purse, en fait. Je préfère avoir des pièces. Je vais pouvoir l'acheter, ton cœur, Shao. Ton cœur grill. Ouais, je sais que c'est la différence, mais je fais jamais attention, en fait. Pour la différence challenge room et boss room. Un coffre et des pièces, cool. Bah en fait je vais pas acheter le cœur. Je vais pas acheter le cœur, je vais garder mes pièces pour la... Oh, l'étage suivant. Alors, est-ce que j'aurai The Depths ou l'autre? Oh mon dieu, je suis dans un coffre, j'arrive pas à respirer. Fuck la nécropolis! Alors... Oh, fucking hell! Oh lol! C'était pas prévu! Oh putain, je l'ai touché d'ici! Putain, la vache! Alors, ces monstres-là sont chiants, en fait. Faut que je touche les cœurs... Pour les tuer, en fait. Et les crânes sont invincibles. Hop. Hein. Steam Cells. Je suis à Nécropolis. Ça sert plus à grand chose en fait. Hein. Je vais attendre de pouvoir reroll. Je peux prendre la. C'était quoi cette pilule là qu'elle faisait déjà? Ah, je sais plus. C'était pas Bombzarki? Si, ah bah génial. Voilà. Comme ça, j'aurais juste à récupérer une... Alors ça, c'est les flammes chiantes. Elles sont rouges. Pourquoi elles sont rouges? Parce qu'elles voilà, elles crachent des boules. Elles crachent des boules. Ah oui, les boules! Ah, les boules! Voilà, je vais la buter. Voilà, ça c'est fait. Alors, cherchons la super secret room. Hein, ce qu'il faut. Oh, des têtes de grid. Alors ça, ça peut poser problème. Parce que je suis à la recherche de pièces et ces gros bâtards de merde... Hein, soyons... soyons polis. Ces gros bâtards de merde, quand ils me touchent avec leur... leur projectile, ça me fait perdre des pièces. Ce qui est problématique. Mais c'est toujours moins chiant que... Hop, génial, une pièce. C'est toujours moins chiant que grid... que grid lui-même, qui peut se trouver dans les shops. Alors je vais reroll ça, et... Alors je sais plus ce que ça fait. Ça recharge en continu, non? Ou ça recharge quand je me fais toucher? Ah, j'ai un gros doute. Dites-moi dans les commentaires, j'y retournerai. J'ai un gros doute, c'est un objet que j'ai jamais. J'ai dû l'avoir 2-3 fois. Mais il me semble que ça recharge en continu, et dans ce cas, ce serait peut-être juste énorme. Oh bah tiens, un cœur gris, on en parlait tout à l'heure. Alors les cœurs gris, ils sont spéciaux. Ils sont spéciaux, c'est des cœurs supplémentaires qui s'ajoutent aux cœurs normaux. Batterie, oui. C'est bien ce que je pensais. Je vais aller la rechercher. Alors, il y a un caca doré. Les cacas dorés. Dedans. Alors oui, c'est Binding of Isaac, c'est très pipi caca, vagin, tout ça. Hein. Les... Tu vas crever, toi, salope. Crève, salope. Les cacas dorés. Il y a des pièces dedans. Généralement. Voilà, il y a plein de pièces. Oui, j'ai hésité sur la batterie, je sais même pas pourquoi.
Je vais aller la prendre, vous inquiétez pas. Hein. C'est juste. Que ce soit batterie ou 9 volts, oui. Voilà, the battery. Oh yeah. Ouais, ça recharge quand je finis des pièces. Je suis confondu avec The Habit, qui permet de recharger quand je me fais toucher. D'ailleurs, je joue pas sur la version normale de Binding of Isaac. Je joue sur la version Spider Mode, donc ça permet d'avoir quelques bugs fixes, notamment au niveau du Habit. Normalement, quand on se fait toucher, le Habit, il recharge que un ou deux, ça dépend selon l'item, mais ça recharge pas comme il recharge, comme il le fait dans le jeu. Donc, J'avais pas vu. Une pilule, c'est bombes Arki, donc va te faire foutre. Oh yes, un dime. Cool. Je vais peut-être. Il y avait quoi au shop? Alors. Juste deux secondes. Voilà. Je répondais à Mayonnaise. Qui a craché quand j'expliquais les cacas dorés. Ah, Lust. Alors lui, il peut poser. Oula, oula, oula. Non, c'est pas bon ça. Tu rames Binding of Isaac. Alors, The Joker. Qu'est-ce que ça fait déjà, putain. Ça te téléporte quelque part, non? Je sais plus, je m'en fous en fait. J'ai pas vu ce que j'ai eu comme item. C'était pas Poison Touch. Alors, je suis très con. Parce que je peux voir avec justement le what? Je peux voir avec le Spider Mode les items que j'ai. Je crois que ça. Je sais plus avec quelle touche c'est. Attendez, je regarde. Hein, désolé. Hein. Tac tac tac. Non, c'est pas ça. C'est. Show Trinket Card Info. Voilà. Alors, vous allez voir en même temps, ça va être génial. Alors, The Dice, voilà si vous avez la flemme de lire. Alors, Teleport You to the Devil Room. Ah, ça peut être génial. Ça peut être pas mal. Merci, Spider Mod. Hop. Je reprends le jeu. Et on va y aller. Ouais. C'est pas super. C'est pas super. Reroll pour voir ce que ça fait. Le pacte. Ouais, mais le truc, c'est que j'ai pas beaucoup de cœur en fait. Donc c'est un peu risqué de le prendre. Et Forget Me Now, non, juste va te faire prêtre. Bah, je peux y retourner après, donc. C'est pas très grave. Alors. Des monstres. Tout ce qui est plus basique. Oula, oh putain. Alors ça, c'est un des problèmes de Binding of Isaac. Si des fois, ça rame. Des fois, ça rame au niveau des inputs. Ça, c'est super chiant. Ah oui, putain, la Super Treasure Room, oui. Super Secret Room, je veux dire. J'y pensais plus. Alors, la Devil Room. Voilà, expliquez à ma place. Ouais, prenons. C'est un trinket. Oh shit. Oh putain, ah non, c'est l'axe d'input, non c'est chiant là. S'il te plaît. Une salle qui sert à rien. Ah mais attends. Ah non non non, oula, wow. Je suis pas réveillé. Oui, j'y suis allé dans la secret room. Putain, qu'est-ce que je suis con. Ah. Une salle. Pas trop mal. Y a-t-il des cailloux bleus? Non, il n'y en a pas. Ok. C'est le lag d'input. J'ai trop de familiers, c'est bon.
Alors. Oh, c'est quad shot ça? Ça sert à rien. Ça me sert à rien. Donc non, on va te faire mettre. Quad shot, ça permet de tirer 4 tirs. Mais ça marche pas avec Dr. Fetus. Et c'est pas un autre truc, donc... ça, je suis sûr que c'est quad shot. Bon, on va aller chercher une pièce que j'ai déjà faite pour reroll... Que j'ai pas faite pour reroll. Mais je pense qu'on ira reroll après la... le boss. Au cas où le boss me donne un objet de merde. Ce qui est possible. Bombzar qui va te... Oula. Bombzar qui va te faire foutre. Ah non, des grids. Ah, c'est cœur. Et un truc qui... Ah ouais, j'ai le D6 qui s'est régène un peu. Useless. Ah putain. C'est le lag. Ah oui, vivement Rebirth pour les problèmes de lag, hein, parce que là... Vous voyez juste le jeu... Oula putain. Ouh, ouah. Vous voyez juste le jeu qui devient lent. Mais pour moi, ça implique des lags d'input. Et quand j'appuie sur gauche, le personnage continue à avancer. Et c'est relativement chiant. Boum, t'es morte. Non, même pas. Oula. Je fais le boss avant. Oui, Binding of Isaac Rebirth, donc ce sera pas un DLC, ce sera un nouveau jeu. Et il sort moitié 2014, malheureusement. Il devait sortir en début d'année, hein. Tiens, j'en parlais tout à l'heure, voici la version 2 de Pip the Bloat. C'est juste un boss méga chiant, et vous avez vu, il peut tirer des gros lasers sur le côté. Twitch plays the Binding of Isaac, j'aimerais bien, ce serait assez drôle. Mais ça impliquerait des... Oh putain, ce lag d'input... Ça impliquerait beaucoup de morts, ce serait un peu injouable. Oui, ce que vous voyez, oui, c'est pire que moi, oui, je m'en doute. Ça, je prends. Voilà, range up. Ça sert à rien. Je prends quand même. Oui, je me doute, vous avez à peu près 20% d'images perdues, mais... Ça devrait être plutôt bon, hein. Il n'y en a pas eu depuis un certain temps. En fait, il y en a qu'on change de salle, a priori. Ah non, quoique. Quoique. Bon, ça, c'est peut-être ma co, hein, ou peut-être mes paramètres. C'est peut-être mes paramètres qui font ramer. Alors, reroll. C'est pire. Spider Butt. Je le prends juste pour vous montrer, mais voilà, ça gèle les ennemis, ça sert à rien. Je préfère garder le D6. De toute façon, le mieux, c'est de garder le D6 jusqu'au dernier niveau. C'est ce qui est le mieux, en fait. Parce qu'au dernier niveau... Enfin, je vous montrerai sûrement. J'irai sûrement au dernier niveau. Au dernier niveau, qui s'appelle The Chest... Vous avez 4 coffres au début qui contiennent des items que je peux reroll avec le D6. Donc ça peut être un... C'est même le but quasiment de garder le D6 jusqu'à la fin, à moins d'avoir un objet méga cheaté. C'est rare. Hein. Généralement, moi le D6, je le garde jusqu'à la fin. Et ben on va passer à Necropolis 2. Juste, je regarde un truc. Ok. Alors. Juste 2 secondes. Hein. Ok, bon. Je testais un truc. J'aurais pas dû. Il y a un paramètre du truc que j'ai laissé. On fera une pause après. Quand je serai mort. Ou quand j'aurai fini. Oh putain, ce lag! No! Parce qu'en fait, j'ai lancé un enregistrement en même temps, mais. Un enregistrement local sur l'ordi du stream.
Et j'aurais pas dû cocher cette case en fait. Voilà, toi vous êtes mort et toi tu vas mourir. Voilà. Et ça m'a rechargé un petit peu plus. Parfait. Je pensais que ça passait au travers. Ah mon dieu. T'as du lag. Alors, Secret Room. Avec du fric. Cool, 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 cool. Je pourrais tout acheter au shop. C'est plutôt classe. Plutôt classe. Oh ouais. Alors, peut-être pour ça que ça rame en fait. C'est parce que j'enregistre en même temps. Ouais que. Ah oui, merde, c'est vrai. Ah mais oui, je peux attaquer au corps à corps, j'ai Meat Boy. J'y pensais plus vraiment. Je me disais, mais pourquoi il... Non, pourquoi je fais un enregistrement? Parce que mais j'ai pas fait exprès en fait. Je savais pas que ça enregistrait quand je faisais des records, quand je faisais des lives. Mais ça prend pas beaucoup de mémoire, donc ça devrait aller. Ça prend beaucoup moins de mémoire que Fraps. Alors, continuons. Ah bah il y a déjà la boss room. Boum boum. Et il y a l'arcade. Ça peut être pas mal d'y aller. Voilà. Une clé. Classe. Je vais y aller, mais c'est vraiment pour casser les trucs. Hein. Quoique, hey, je peux peut-être avoir des cœurs, en fait. Ouais, on va changer. Toi, ça... On verra après pour l'arcade. Ferme Skype. Non, mais ça changera... Ouais, si tu veux. Mais ça changera pas grand-chose au fait que je lag. Ça changera pas grand-chose. Bon, voilà, j'ai fermé Skype. Ça change rien. Mauvaise foi spotted. Et plein d'items. Des bombes, des clés, des bidules, des chouettes. J'ai loupé une pièce, oui, je sais. Oh, ces monstres sont chiants. Mais ça va, avec les bombes, avec Docteur Fœtus, ça va, ils sont pas trop chiants. Alors normalement, ces monstres, je peux les attaquer, je peux attaquer que leur cerveau. Donc de devant, je peux pas les attaquer. C'est assez chiant. The Sun. Je m'en servirai après. Oh non, Super Grid, j'y crois pas. Putain. Au dernier shop, en plus, quel gros PD de merde. PD de toi, je t'aime pas Grid, va te faire mettre. Bien profond. Tu me donnes une carte. Voilà. Jugement. Je sais plus ce que ça fait. Alors, à la rescousse. C'est dans quoi déjà? C'était où? Putain, il faut vraiment que j'apprenne les cartes, ce qu'elles font. Ah, ça spawn un bégard. Vaut mieux les utiliser dans les Angel Room et Secret Room. Mais il n'y en a pas à cet étage. Donc, va te faire mettre. Je préfère garder The Sun. Non, j'ai pas eu Torrent d'ouvert. Je télécharge pas. Ces temps-ci, je télécharge pas. Je l'ai ouvert juste hier pour télécharger la mise à jour de Fraps. Oh, des cœurs. Oh oui. Oh putain, ça faisait longtemps. Oh, il y a quand même un gros décalage entre le stream et le chat. Hein. Parce que là, vous me dites les réponses pour Judgment et tout. Du gros, gros décalage. Oui, il vaut mieux que je fasse le reste de la map parce que j'ai pas trouvé la Treasure Room. Oh non, pas ces mobs. Pas ces mobs qui sautent, ils sont juste méga chiants. Oh, bah, remarque, lui, j'ai réussi à appréhender son mouvement.
Voilà, toi je t'ai eu. Toi je t'ai eu. Et toi, je t'aurai peut-être ici. Yes! On m'a drop une bombe. Encore un cœur, bah c'est génial, je suis full life. J'ai pas envie de spawner un bégard. Ah, de toute façon, ouais, je vais y retourner. S'en fout. Je garde le fric pour après. Ouais, là, je faisais pas attention à ce que je faisais, là. J'oubliais les petits vagins au milieu, là. D'ailleurs, ils vont crever. Je prends des dégâts, rien à foutre. Ouais. Ah oui, vu qu'il n'y a pas le choc, je suis con. Pourquoi j'utilise... je prendrai le bégard dans la... Tout à l'heure. La salle useless, mais ouais, je vais la faire quand même. Ouah, putain. Ok, la super secret room, c'était pas prévu, je la cherchais même plus en plus. Et il est mort. Ah oui, attaque Eve Burfoot. Voilà, hop, dégage. Une bombe. Useless. Bah je vais le prendre maintenant. Parce que je suis un fou. Oui, le fric va me servir à rien. Sauf s'il y a des arcades. Ce qui peut être pas mal. Mais ouais, je vais aller revoir le bégard. De toute façon, je vais passer à côté. Donc. C'est pas très grave. Oh non. Pas les angels. Crying angel. Mère. Encore un cœur. C'est cool. Le devil beggar peut être cool, mais j'ai pas vraiment beaucoup de cœur, donc nope. Hop, on va te faire mettre. Encore un baby. Allez, hop. Demon baby. Oh yeah. Je vais avoir tous les familiers du jeu, ça continue. Hein. Allez, on va casser les cacas au cas où il y a des pièces dedans. Ah oui, casse les cacas. Et le reste... Le reste... Bah voilà, bah, c'est fait, j'ai fini le... J'ai fini l'étage, j'ai fait toutes les salles en plus. Donc c'est cool. Oh, je peux très bien perdre mon cœur contre Mom, oui, effectivement. Oula. Oh, oh, oula. What? Stop. Arrête de laguer. Hein? Oh. Attends, on va faire un truc. Voilà. Arrête de ramer comme un gros porc, enculé. Oh putain, le gros lag, mais de 15 secondes, quoi. Putain. Alors, cherchons le bagarre pour vous faire plaisir. On sait jamais pour les caca. J'aime bien les faire exploser, c'est rigolo. Judgment. Ah, c'est trop tard. Voilà, je donne mes pièces. Toujours mes 60. Donc. Il m'a redonné une carte. L'empereur, je sais plus ce que ça fait. Ça me téléporte au boss. Ok, mauvais choix. Mais on s'en fout. Oh putain, le mob le plus simple du jeu, quoi. Moi, je suis un fou. Je connais pas les cartes de tarot, donc vous étonnez pas. Hein. Ah, puis j'ai le Devil qui attaque tout seul. Donc, en fait, je peux juste esquiver. Hein. je vais voir quand vous allez voir le fail de la carte. Vous allez tous me dire, mais non, t'es un gros con. Oh, je laisse Demon Baby attaquer. Hein. Rien à foutre. Bon, allez, attaque, Mom, là. Oh. Voilà. Voilà, t'es content, DS? Voilà, j'ai fait exprès. Tout est prévu, oui. Allez, moi, j'apprends pas les effets des items. Hein. J'ai du mal à les retenir.
Bon, c'était pas prévu hein, que je me fasse toucher, mais... Plaignez-vous au lab d'input, hein? Culé de lac de merde. Oui, on peut pas sortir de la boss room, je sais. Ah, mais... J'avais pas vu, y a un caillou avec une croix dessus, là. Oh, putain. Comme par hasard. ce lag. Non, non, arrête de bouger. Putain. Arrête de bouger. Arrête de ramer. Je suis pas mort contre Mom. Donc voilà. Hein, même si je fais du fail, rien à foutre. Ta gueule, Mom. Tu vas mourir. T'es morte. Et puis, j'ai... Meat, c'est damage up. J'ai eu des cœurs. Et là, ce qu'il y a au sol, c'est... Oh putain, ce ramage. C'est un rototo, c'est The Polaroid. Objet qui me permet d'aller, de pouvoir aller au dernier, dernier niveau. Donc, qui s'appelle The Chest, je le rappelle. The Bomb. The Bomb 1, donc c'est pas un XL, donc c'est cool. Oula. Pourquoi j'allais prendre ma souris? Je me suis cru avec Epic Fetus pendant un moment. Alors, cette fois, pas de fail, hein. Pas de fail. Ah, mon D6 s'est rechargé. Inutile! Alors, dans The Womb, il n'y a pas de shop, il n'y a pas de treasure room, donc là, il faut juste que je cherche le boss. Il y a des salles spéciales, challenge et tout, mais... La flemme. La flemme! Boum! On va casser les cailloux. Oh putain, ouah! Ça, c'est en fail, ça, par contre. Tout va bien, tout est prévu. On va chercher la secret room, parce qu'il y en a quand même. N'abusons pas. N'abusons pas. Alors, en haut... Oh, putain. En haut, ça a été fouillé. Ici. Voilà, secret room. Avec des pièces... Alors, le problème de The Womb, c'est qu'on voit pas si les rochers ont une croix dessus ou pas. Bon, ça se voit très légèrement, mais pas beaucoup. Pour chercher la Super Secret Room, il y a possiblement des cœurs dedans. Mais c'est bien ce que je pensais, j'ai reçu, mais... Que je ne lirai pas. J'ai 17... J'ai 17 clés, alors écoute. Hop là. Des cœurs, génial. Hop. Ah bah voilà. Un coffre avec des pilules. iPhone pills, ça fait rien. Puberty et un bad trip. J'aurais tenté. Alors je vais virer ce pop-up de mail. Merci, au revoir. Alors lui, normalement, c'est un mob qui attaque dans la même direction dans laquelle j'attaque. Mais comme j'ai Demon Baby, il va s'en occuper. Hein, vas-y. Voilà. Gentil. Judas Tong. Non, 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 non. Laisse-moi The Polaroid. Hop, hop, hop. Esquive. Oh, yeah. Esquive génial. Hein. Une pièce. Juste pour le swag. Au cas où j'ai un monnaie égal power à la fin. Ça peut toujours servir. Alors toi, le vert... Non, ouais, ça c'est un truc que j'ai pas dit. Depuis le début, vous avez peut-être remarqué des mobs qui ont une couleur bizarre. Genre cet ange qui est vert, au lieu d'être comme les autres à peu près. Il est juste un peu plus blanc. Mais c'est un mob champion, ils dropent des items. Celui-là, il a droppé une pièce, par exemple. Ah, je vais boire un coup, parce que j'ai soif, puis il n'y a pas de mob, donc j'en profite. Ça donne soif de parler pendant plus d'une heure, comme ça. À peu près. Ah, ça fait du bien.
De l'eau, la bonne eau. La bonne eau. Alors maintenant, maintenant que j'ai les deux Secret Rooms, tout ça. Tiens, encore un monstre champion. Maintenant que j'ai les deux Secret Rooms, tout ça, je peux chercher le boss. Cool, il m'a droppé un cœur gris. Merci. Alors, un avantage des mobs qui font des attaques miroirs, c'est qu'ils me suivent en fait. Et si je me mets à un endroit opposé à des pics, et ben il se prend les dégâts et il crève comme une grosse merde. Voilà, c'est magique, j'adore. Oh putain, en plus c'est un champion lui, il est gris au lieu d'être rose. C'est un peu le boss que j'ai eu tout à l'heure, il me poursuit. Sauf qu'il est relié par son pote avec un cordon ombilical. Est-ce que je peux les bomber ceux-là? Oh fuck, ça va être assez chiant. Quoique non, ils sont lents, donc boum. Voilà, et puis lui il va se faire buter par les familles. Ou par la bombe. Et un coffre avec... Alors un coffre dans un coffre, coffre reception. The Burn Penny, non merci, donc c'est un trinket. Mais j'ai déjà The Polaroid et je peux avoir qu'un seul trinket en fait. Et bah il y a beaucoup de mobs champions. Hein. Il m'a droppé une bombe, d'accord. Merci, ça servait à rien. Une pièce, bah. Oh, topiqueur. Nous faire chier. Topiqueur. Trio. topiqueur. Trio. Je les appelle les topiqueurs, ces monstres-là, ça leur va tellement bien. Trio beater, voilà. C'est des topiqueurs. Parce que c'est pas des Pokémon. Donc c'est des topiqueurs, voilà. Maintenant ils s'appelleront comme ça. Des petites bites blanches. Et Crying Angel. Comme je les appelle à chaque fois. Hop, toi t'es mort. Toi t'es mort. Voilà. Un coffre. Avec du fric. Oh, je suis riche. 70. J'ai failli avoir 69. Tout va bien. Le chat est calme, là. Vous êtes mort ? Parle un peu moins que tout à l'heure. Un autre coffre, donc c'est cool. Avec des bombes, c'est pas cool. J'ouvre l'autre, rien à foutre. Non, on va te faire mettre. Écoute. Une clé. Ça peut servir. Est-ce que je vais l'avoir? Oui. Hop, merci pour la pièce. Le boss, je pense qu'il est à droite. Quoique... en même temps. Ah, voilà, là j'ai eu un cœur blanc. Chose idéale, c'est que les cœurs gris sont prioritaires sur les cœurs blancs. Donc ce cœur blanc, je ne risque pas de le perdre. Chose que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est les cœurs blancs, quand je finis l'étage, ça me rajoute un cœur rouge supplémentaire, donc c'est vraiment cool. Oui, il se passe rien d'exceptionnel, certes. Vais-je trouver un... Attention, vais-je trouver un... Comment ça s'appelle? Un caillou avec un X dessus? Peut-être sur un des trois. Je m'amuse. Hein. Non. Ça aurait pu. Ouais, donc je savais bien que le boss était sur la droite. Je m'en doutais. Des mouches. Qu'est-ce que tu pues? Voilà. Un cœur, je prends. Je suis full life. Parfait. Alors lui, il s'est auto-tué. Il y avait un mob en bas. Ça devait être un cerveau. Hop. Boum, boum. Et... Boum. Yop, Kuro. Putain, un peu plus, je voyais pas ton pseudo. Ouah. Ouah, un peu plus, je me prenais le boss dans la gueule. Ouais, bah, si tu dois aller te coucher, DS, vas-y. Donc, bonne nuit. Non, Poston, c'est chez tout le monde que ça saccade un peu, c'est normal. C'est mes paramètres qui sont peut-être pas bons, peut-être ma connexion également.
Et bah, c'est Scolex, celui qui s'appelle, hein. Et bah, il va se faire prendre la... Voilà, il est mort. Il m'a droppé un cœur gris. Oh, Squeezie, c'est... What? 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 Le bug! Ça, je prends des dégâts? Non, mais il y a bien un truc, hein. Oh, je peux le faire bouger! Oh, c'est trop génial! Squeezie, ça me permet d'avoir deux cœurs gris, donc c'est cool. Ah, ça rame pas chez toi. Oh, c'est génial, ça. Et l'avant-dernier niveau, The Womb 2. Enfin, ah, Utero. Oh, non. What? Ah oui, Curse of the Lust. Ça rajoute des salles supplémentaires dans la... Ça rajoute 2-3 salles. Oh, oh, putain. Pas ça. Une salle avec Gurdy Junior et deux boss de merde. Bon, il y en a un au moins. Ah, dégage Gurdy. Oh, merci Docteur Fetus qui permet de ralentir Gurdy Junior. Donc, tout va bien. Oh, je me suis excité pour rien. Ah, par contre là. Ouh, j'ai cru que j'allais me prendre les. J'ai cru que j'allais me prendre les mouches. Tout va bien. Allez, Demon Baby, attaque. Moi, ouais, j'essaie de buter les mouches. Voilà, parfait. Et. Boum, c'est bon. Et ça fait deux autres mouches en plus, et boum, c'est bon. Ah, bonheur. Encore une clé. Bon, j'en ai plus trop besoin. J'en ai 16. Oh, fistula. Comme c'est un plaisir. Utero 2, c'est vraiment le boss land. Hein. Oh, putain. C'est vrai qu'il se dédouble. En plus, c'est le noir. En plus, il va me dropper des mouches explosives. Et ouais. Comme je suis... intelligent des fois, hein. Pas comme souvent. Parce que des fois, hein, j'oublie tout ce qui est Binding of Isaac, tout ça. Je vais reprendre tout avec Rebirth, ça c'est pas très grave. Il y aura des nouveaux items, c'est encore plus délire. Alors, oui, cherche les secret rooms, mais oui. Pilsier, bad trip, va te faire enculer. Hop, elle est pas là. J'ai oublié de chercher la secret room. Ah bah tiens, j'ai bien fait de revenir. Je le bute juste pour le lols, hein. Surtout qu'il va pas me toucher, donc ça va. Voilà, en plus il a rien droppé. Oh merde! Putain d'input de merde. Ah, j'aurais pu le reroll, mais les inputs ont bugué. Ah, fait chier, putain. Ah, j'ai le boule. J'ai le boule. J'aurais pu avoir un bon truc. Bon, bah, pas grave. Pas grave, un gros cerveau. Des grosses araignées. Les grosses araignées sont chiantes. Ah, vous allez me détester, vous qui connaissez le jeu. Oh non, non, non. Ah, j'ai vraiment les boules là sur ce coup. Oh putain, oh non. Lust. Tout mais pas lui quoi. J'aime pas Lust, oh, putain. Oui, j'aime pas Lust, surtout quand il y a des ramages. Quand il y a des ramages. Et non pas des rois mages. Une nouvelle pilule. Tears up. Why not? Toi, crève. J'ai pas envie de gâcher mes cœurs. Et ouais, je l'ai pas dit, mais si vous avez remarqué tout à l'heure, j'ai mon cœur blanc s'est bien transformé en cœur rouge. C'est vrai que certains ne connaissent pas le jeu, donc je ferais bien de préciser des fois que ce que je fais. Un œil, ça c'est chiant, ça tire des lasers. Et je me prends un dégât comme un gros con. Où est-ce qu'ils sont? Hop, t'es mort. Alors, il me spawn quoi, lui? Un cœur. Merci, fallait pas. Il est pas mort. Maintenant, oui. Elle fait quoi, celle-là? Speed up! Yeah! C'est bon, ça. C'est bon, les speed up. Mangez-en. Ah, et ben voilà. On va peut-être chercher la super secret room. Vous en pensez quoi?
On va passer en haut. Et on va éviter de faire le gland. Même si ces monstres-là sont totalement inoffensifs. Ils font que suivre les bords de la salle. Donc. J'ai trop de pièces, les mecs. J'ai trop de pièces. Attends, j'aurais un monnaie égal pouvoir, ça aurait pu être cool, mais... Y'a pas un autre shop? Alors... Des petits cerveaux qui laissent des traces. Alors les traces qui clignotent, faut pas que j'y aille, parce que ça fait faire des dégâts. Voilà, j'ai cru que j'allais pas le toucher. Des bombes. Au cas où j'ai un bombe Zarki. C'est jamais. Hop. Pièce. Bombe. Hein. Basique. Hein, on est dans Utero 2. On commence un peu à s'en foutre. En avoir rien à foutre des drops de mobs. Un coffre avec une pilule. Speed up encore. Il est pas là le speedrun. Pour voir un speedrun, aller chez Bafan. Hein, petite pub. Ah, des tobiteurs. Oui, fais attention. Non, j'aurais pu speedrun, mais c'est vraiment... Le speedrun est que intéressant si j'ai Epic Fetus, quoi. Parce que sinon, c'est lent. Pourquoi j'avance pas? Ah, il y a un rocher. Je l'avais pas vu. Bon, en attendant que Demon Baby s'occupe du... Ah bah non, il s'en est pas occupé. Oh putain, qu'est-ce que je speed? Ah, c'est bon ça. Oh oui, fap fap. Tac. T'approches pas trop. Voilà. Alors, Bobo, tiens. En parlant de placement de produits... Ça sert à rien, mais allez voir sur ma chaîne YouTube. YouTube Money Power. Une clé. Bon, c'est cool. Et le boss n'était pas par là. Fuck. Nique ta race. Je pourrais zapper cette salle, mais... Hop là. Mais non, on sait jamais. On sait jamais. Je peux avoir un cœur gris. Ou des bombes. Ouais. Pas en live, le FAP. Non, non, je me permettrai pas. Hein, je me permettrai pas... Sacrifice Room, non. Si je vais sur le pic, ça peut me donner un coffre, mais... non. Franchement, non. Hop, raccourci. C'était quoi cette pilule-là? Pourquoi, ouais, pourquoi ça n'a pas marché? Bad trip. Ah oui, ok. Salut, ciao. Bonne nuit. Bon, j'ai repris bad trip, c'est pas très grave. Non, je ne fais pas un challenge, c'est une... C'est un jeu normal. J'aurais pu faire une challenge, certes, mais... J'en ferai un peut-être après. J'allais utiliser une bombe. N'importe quoi. The Moon. On va utiliser ça tout à l'heure. Oh, oh putain. Double Gurdy Junior, ça fait super bobo la... Ça fait super bobo les fesses. Mais j'ai Docteur Fetus, ça devrait aller. Ça devrait aller. Alors, c'est... Oh là. On se calme, on se calme, on se calme. On se calme, Gurdy Junior. D'ailleurs, si vous savez pas, Gurdy est une femelle. Oui, ça aurait pu y ressembler pour le... Alors oui, il y a un lag énorme entre le chat et le live. Mais non, c'est pas parce que j'ai Docteur Fetus que c'est forcément un challenge. Mais j'ai eu du bol, hein, c'est tout. J'ai juste eu du bol. Contre Slot. Ouais, j'avais pas le choix, fait que je me prenne du dégât là. Je vais casser un peu les...
toi, pédé de toi. Alors, concentre-toi. Voilà, j'en ai buté un, c'est déjà ça. Oui, oui, il y a toujours un décalage de stream. Or non, je me suis pas claqué mes fesses, je me suis... Oh, c'est bien ça. Bob's Curse. Je l'ai... Ouais, ça c'est cool ça. Non, je viens pas de me claquer mes fesses, j'ai claqué ma cuisse. C'est pas pareil. Hop. Tada! Et l'avant-dernier boss, It Lives. Alors, hop. On va se débarrasser des yeux d'abord. Et maintenant, on s'occupe de It Lives, qui est le cœur de Mum. Enfin, plutôt un espèce d'embryon mal formé. Dégueulasse. Lol, j'ai une pièce inutile. Bon, j'ai gagné, là. Hein, Je vais laisser Monstro. Alors, It Lives spawn des boss. C'est à savoir. Vas-y, ouais. Boum. Oh, je l'ai même pas touché. Ah si, je l'ai touché, cool. Des monstres chiants, faut taper le cerveau, mais j'ai des bombes. On s'en fout, c'est pas grave. Eh ben, c'est une victoire totale. Sans dégâts, même. Je crois. Voilà. Alors, on va faire attention aux flaques de sang qu'il y a par terre, parce qu'elles font bobo. Et là, j'ai le choix entre aller à The Shoal ou The Cathedral. D'ailleurs, je me suis gouré, c'était pas l'avant-dernier boss, Hitlis. Et étant donné que j'ai le Polaroid, on va aller à la cathédrale. Qui est le vrai avant-dernier niveau. Oh, je me suis trompé. Here's the Moon, hop. Secret Room. Ah, enfin une Secret Room intéressante. On va voir Hyrule. Ça peut être bien, mais... c'est inutile dans The Cathedral. Il n'y a pas de trou dans The Cathedral, donc ça sert à rien. Une salle inutile. On va faire quelques salles, histoire de pouvoir reroll. Espérer avoir un meilleur objet. Ça pourrait être un peu mieux. Genre, si je peux avoir un one-up ou un truc comme ça, ça m'arrangerait. Si je peux avoir Epic Fetus aussi, ce serait vraiment... ce serait overpower. Ce serait vraiment OP. J'aimerais bien. J'avoue. J'aimerais bien voir Epic Fetus. Parce que ça me ferait un double fœtus, en fait. J'aurais non seulement Docteur Fetus, mais aussi Epic Fetus. Alors... Bon... The Death, hein. J'ai pas dit son nom. Oh putain, merde, c'est vrai. Je fasse attention, peut-être. Voilà, il se prend. Je te fais des dégâts. Oh. Alors, lui, il va juste être chiant à toucher. Je vais l'attaquer avec les familiers. Hein. Ah, attends. Ah, merde, bâtard. Voilà, j'ai touché. Bon, c'est la technique à faire. Un peu trop tôt. Parfait. Voilà, il est mort. Hop, je vais aller reroll. Ouais, Raw Oliver ou le one-up, Dr. Fetus, ce serait vraiment cool. Alors, voyons voir. Hank. Ça peut faire office de one-up. Mais si je crève, j'aurai plus que 3 cœurs. Donc c'est pas trop trop cool. Ça peut être bien. Mais je peux avoir mieux. Je peux avoir beaucoup mieux. Surtout que je suis dans The Cathedral, il y a beaucoup de salles et j'aurai beaucoup d'occasions de reroll. Surtout que je peux même reroll après le boss.
The Hierophant. Bon, on va pas prendre de risque. Hein. Je sais plus ce que ça fait. Ah, bah c'est bien. C'est ce que je pensais que ça faisait. J'étais pas sûr. Ça donne deux cœurs gris. Un coffre. Voyons voir. Tammy's Head. Je le rerollerai. Je rerollerai. Oui, le honk est mieux que rien, mais il y a mieux que le honk, c'est ça ce qui est le problème. Là est le souci. Alors, un petit bug, hein, si je bute l'autre avant, ça laisse le cordon ombilical. Ah, je pensais pas que ça le... Voilà, hop. Blerg. Allez, crève, putain de toi. Voilà. Voilà, et t'es mort. On va roter... roter. On va reroll. Book of Belial. Ça fait quoi déjà? Ça me donne pas des cœurs. Ça me donne plus de... Ouais, ça me donne plus de puissance, ça. Hein. Reroll la Secret Room. Oui, mais oui, t'inquiète, il y a assez de salle. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Hop, je le laisse. Je laisse la mouche. Oh, ça faut. Il y a assez de salle pour reroll. Ah, je peux peut-être avoir un autre objet, là. Une clé. Pas ce que je pensais. Putain, mais c'est pas vrai. Encore un coffre. Ah bah, d'accord. Ok, Fate. Je dis pas non. J'ai même pas eu le temps de me reculer. Slot. Ok. C'est pas le super slot qu'il y a eu tout à l'heure, donc c'est cool. Je pourrais l'attaquer beaucoup plus facilement. Et surtout qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a pas de cailloux, mais maintenant les cailloux, je m'en fous, j'ai Fate. Il y a un gros lag entre les... Entre le chat, hein, donc prévoyez. Et il est mort. Et je rouvre la Secret Room qui sert à rien. Putain, tu vas mourir, oui! The Lovers. Ça me donne des cœurs, ça. Voilà, je vais spawner, toi. Je vais spawner. Le reroll. Voilà. One up! Parfait. Donc, je vais pouvoir reroll le Book of mes couilles. Le Book of mes couilles. Oh, trois Headless Horsemen qui vont mourir dans d'atroces souffrances des ténèbres. T'es mort! Voilà. Ta gueule, poil à ta gueule. Comprenne qui pourra la référence. Oh, Headless Horsemen, mais full. Il y a les deux parties. Il y a la tête et le cheval. Eh, mais du coup, ça me fait plus aucun dégât, ça c'est génial. Et les piques non plus d'ailleurs. Ah, pouvoir voler. Une clé. Oh, grid. Ah, il y avait un caillou... Caillou X. Caillou X. Ah oui, caillou X. Oh, tu crèves, grid. Voilà, t'es ma... Oh, yeah. J'ai presque envie de... quitter la salle. Pour y revenir après, mais... Ça me fera un reroll supplémentaire, mais c'est pas vraiment utile, disons. Eh ben, je suis pas mort. C'est cool. La run est vraiment OP. Hein. J'ai vraiment eu the item qu'il fallait. Quoi. Et hop, t'es mort. Voilà.
On va reroll encore. On sait jamais. Et si j'ai un bon objet, je le prends. Si j'ai un mauvais objet, je continue à aller sale. Alors. C'est quoi ça déjà? C'est un familier, non? Oh, je sais plus. J'ai un gros doute. Je crois que c'est un familier. Je sais plus. Hein, le temps que je fasse les autres salles, vous me le direz. Hein. Je sais plus ce que c'est. Je suis mauvais. Ah oui, le mail. Ah, des araignées géantes. Quel bonheur pour les amis arachnophobes. Ah bah y en a une qui s'est... What? Ah non, j'ai cru que j'avais buté les deux. Oui, fais attention à tes propres bombes, Erwan, ce serait pas mal. Bah toi tu meurs, voilà. Tu meurs. Tu meurs ou tu meurs. iPhone pills. Qui ne sert à rien, je reprends ma carte donc. Des crying angels. Infestation, ça spawn des mouches quand tu te fais toucher. D'accord. Ça peut être utile. J'ai envie de dire que c'est utile. Au pire, vous savez quoi? Pills, inconnu. Balls of Steel! Oh oui, oh, j'ai pas repris ma... Alors, Balls of Steel, ça me rajoute deux cœurs gris. J'avais pas repris ma carte. Bon, allez, on va prendre... on va reprendre l'infestation. Parce que Snap dit que c'est un bon item. Apprenez-moi le jeu! Ah, j'ai des grosses lacunes concernant certains items. Ça se voit, voilà. Hop. Infestation. Oh oui. Je suis ouvert. Ah, c'est classe. Allez, on va se taper le boss. On va se taper Isaac. Isaac contre Isaac. Fuck la logique. Avec une musique bien stylée. Et il va se faire méga bifler. Hein, parce que Isaac aime ça, la bifle. Ah oui. T'aimes ça, hein. Regarde. Il va se prendre mes bombes dans la gueule. Ah tiens, d'ailleurs, au fait. Tiens, cadeau. Mange. Hop là, uve. Ouais, parce que autant que ça serve, hein. Au fait, puisque ça marche qu'avec les bombes normales, mais bon. Ah putain, le familier, merde! Oh, oh là là, esquive. Je prends des dégâts à cause du poison, c'est cool. Voilà, en plus, il y a Robo Baby qui l'attaque, il y a Demon Baby qui l'attaque, donc raison de plus pour... raison de plus pour lui en mettre plein la gueule. Alors il me balance des grosses boules à tête chercheuse, mais je les esquive toutes, donc c'est cool. Un Crying Angel, il n'y en avait pas un deuxième, je l'ai touché, j'ai buté. C'est cool. Et Isaac va mourir. Le boss, hein, pas moi. Ouais, je garde le reroll pour le chest, bien sûr. Et the chest. Oh, dernier niveau. Et je gagne un cœur. Donc The Chest, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 4 coffres au début. X-Ray Vision, Book of mes couilles, le soutif de maman, et le parasite. Ça sert à rien, mais je le prends. Hank. Ah non, c'est Celtic Cross. J'ai confondu. Oh lol, mes bombes sont oranges. Ah, c'est trop cool. J'ai bien fait de le prendre. Alors, le but, donc. Alors, je me demande si ça fera pas un effet dans Rebirth de prendre ça. Ça va sûrement faire un effet secondaire. Un effet double. Ce serait cool. Ah bah oui, je peux marcher dedans, je suis débile. Regarde, dégage.
Et hop, tu vas nourrir ta mère. Oh, je me suis fait un dégât. Rien à foutre. J'ai tellement de cœur. J'ai tellement de cœur, j'ai The Lovers. Oui, je vais le prendre là. J'ai oublié. C'est vrai que je speed un max. C'est vrai que je speed un max. Donc je peux me permettre. Ah. Puis c'est vrai que dans The Chest, je peux pas casser les portes. J'aurais pu avoir un truc mieux que l'art, mais... L'art. Ah oui, j'avais oublié que ça faisait HP up. Un truc que j'ai oublié, hein, totalement. Contre 3 Loki. Ouais, ça va, hein, ils sont pas trop chiants, hein, faut juste esquiver, ça fait un peu tout, du coup. Ouais, bon, genre, je me suis pris un dégât, bon. Hop, y en a un en moins, hop là, dégage. Il va y en avoir bientôt deux en moins. Oula, putain. Celle qui est arrivée sur la gauche, là, elle a failli me toucher. Hop. Il va mourir. Et plus qu'un. Et plus qu'un. Et tu vas mourir. S'il te plaît. Et opération reroll. Kamikaze va te faire mettre. Et monsieur Mega. Ça sert à rien ça. Je m'en branle. J'ai assez de bombes. Ah, est-ce que c'est compatible? Oh, je sais même plus. Puis merde, The Chest. Hein? Ah oui, oui, c'est compatible. Oui. Pourquoi je l'ai pas pris? Eh ben, on va chercher le boss. Oh non, Daddy Long Legs. Qu'est-ce qu'il est chiant à battre. Surtout quand... Oula. Surtout quand on est avec Dr. Fetus. Ça sert à rien de faire ça. J'attends qu'il se repose. Je l'ai touché. Explosion nucléaire. Allez, t'es mort. Voilà, Daddy Long Legs, c'est fini. Double Gurdy Junior. Hein, on l'a vu tout à l'heure, c'est tranquille. Pas trop de mal. Bon, un Gurdy Junior champion. Mais qui ne posera pas de problème, parce que l'autre est mort aussi. Voilà, c'est fait. C'est fini. C'est fini. C'est fini. On va dire c'est fait. Bravo, Erwan. Alors, ah bah voilà, la salle du boss, parfait. Oh mais... Voilà, tu vas te prendre pas mal de dégâts, je crois. Hein. C'est vrai qu'ils bouffent les bombes, ils sont cons. Ils sont un peu con-con handicapés. Mange. J'adore ce monstre. J'adore ce boss. Même pas touché. Et là, il est touché. Et il est mort. Et l'autre va pas tarder à crever aussi. Je dirais qu'il va crever avec ce coup-là. Celui-là. Et voilà. Oh, oh bah non, même pas. Putain. Pourtant le. Voilà. Il est mort. Et le boss. Contre. Trois points d'interrogation. Blue Baby. Et il va mourir. La 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 la. Rien à foutre. Voilà, hein, bon. En plus, j'ai eu un petit coup de protection. Vas-y. En fait, hein, je vais rester là, je vais me laisser toucher. J'ai une protection avec Meat Boy, donc... au pire, voilà. Un petit drop de cœur qui fait toujours plaisir. Et dernière phase déjà, putain. Alors petit bail avec Blue Baby quand il fait cette attaque-là, là, quand il se replie, il devient rose. Et voilà, le win.
le win total. Mais, ce n'est pas un win total sans avoir fini The Chest à 100%. Donc, on va faire The Chest à 100% avant de finir cette run. Allez hop, on continue le plaisir. C'est Tipper. Hop, c'est lui qui se prend les dégâts du coup. Là, c'est aucun. Là, c'est ta mère. Hop, lui, il est mort. Tant pis pour lui. YOLO. Trop de YOLO. Tue le YOLO. Oh, merci les familiers qui ont redirigé la bombe vers le boss. Ah, oh, c'était génial. C'était magnifique. Hop là. On continue. Qu'est-ce que je branle? Oh, il y a Death. Fuck. Bon, Death. On va l'attaquer en premier. Putain, je dis Death, en plus, ça me rappelle mon prof de musique. Quand j'étais au collège, il s'appelait Monsieur Death. Vous qui faisiez tout le temps. Monsieur Death. Pas comme mort en anglais, hein, c'est écrit pas pareil. J'ai du souvenir quand même un peu de certains profs. Alors, méthode. Oh, trop tôt. Trop tard, je veux dire. Non, trop tôt, trop tôt. Dans ta gueule. Trop débile. Je vais essayer de l'attaquer avec les familiers, ça ira beaucoup plus vite. J'ai l'impression que j'ai l'impression que ça touche pas mes bombes là, je sais pas pourquoi. Fais gaffe Erwan, fais pas le con. Ne fais pas le con. Ouais, je sais pas, mes bombes. Oh, puis en plus il y a les mouches, alors laisse tomber. Bon, Blue Baby. Hop là. J'ai pas le choix là. Hein. Je peux. Oh putain. Je peux que l'attaquer comme ça, les. Monsieur Death. Et c'est les bombes font pas de dégâts. Et c'est un bug de cette chasse, sûrement. Ouais. Non, raté. Raté. Touché. Double touché, même. Allez, crève, putain de ta merde. Et là, c'est exaspérant, ce boss. Hein. Merde, je l'ai pas touché avec Robot Baby. Là, 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 là. On va essayer de le retoucher avec une bombe, quand même. On va tenter. Ah, j'ai fait trop tôt. Ah, j'ai fait trop tôt. Ah si, ça le touche, mais je suis trop loin en fait. Ah mais oui, je suis débile. Ah, ça marche pas tout le temps. Voilà. Enfin. Après ce moment chiant contre ce boss de merde. continuons The Chest. Il doit rester 7-8 salles. Peut-être un peu plus. Même un peu, beaucoup plus. Alors, Triple Arachnide. Ou peu importe son nom. Triple Arachnide de merde. Voilà, une en moins. Deux en moins. Bientôt trois en moins. Voilà, 3 en moins. Ça, c'est fait. En plus, il me drop un cœur. Qu'est-ce qu'il est gentil, l'araignée. Gentil araignée. J'aime pas ça, en plus. Alors... Worth. SLT. Voilà, en plus, il y a Grid, il y a... Il y a Lost. Il y a les potes de Grid. Oh là là.
Steam Sale, reroll. Téléport, non. How about now? Salle suivante. Que des araignées de mêleux. Voilà, j'utilise Meat Boy pour... Oh oui, tiens, c'est pas con ça. J'utilisais Meat Boy pour les tuer, les deux premières. Des bombes. Useless. Ah, tiens donc, Gurdie. Madame Gurdie. Hein, chose que j'ai appris il y a pas longtemps d'ailleurs. Que Gurdie est une femme. Ce boss est une femme, oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà. Il est mort. Ouais, ma pièce. Salut. Non, si je meurs, hein, je suis une merde, avouez-le. Mais j'ai le one-up, donc ça devrait aller. Alors... War et... Pestilence, ça? Je sais même plus comment il s'appelle. War et l'autre connard. Ça rime, en plus. Ça pourrait faire un bon titre d'épisode si on était dans Inferno Mine. War et l'autre connard. À retenir, Snap, à retenir. Et il va crever. Pas maintenant. Oh l'enculé. Enculé. Voilà. Maintenant War va mourir. Il me donne une pièce. Useless. 3 Loki. Ouais, on va tenter d'en avoir deux en même temps. Voilà. On va tenter ces deux-là. Esquive. Toi, t'es mort. Et toi aussi. Voilà. Magnifique explosion. Encore contre des Deadly Sins. Rien à foutre de perdre des pièces, écoute. C'est là que j'ai encore Steam Sales. Je rigole. C'est possible en plus. Alors, toi tu vas mourir. Toi tu vas mourir. Et toi tu vas mourir. Voilà. Bah drop des pièces. Continuons. Oula, petit bug de musique. 3 Loki encore. Loki, Loki, Loki. Boum boum. Voilà. Boum boum boum. Voilà. Plus qu'un. C'est fait. Cette allée, c'est fait. On va en haut. Je récupère les pièces parce que j'ai pas envie de les laisser. Monstre 2. En double, qui plus est. Qui va être chiant. Ah merde, j'avais appréhendé son mouvement. Attention le méga lag à cause de toutes les particules. Je me prends des dégâts, rien à foutre. Je me concentre. Ou pas. Voilà, lui il va bientôt crever, je crois. L'autre. Oula. Fais attention. Alors faudra peut-être que je me concentre quand même, parce que perdre des cœurs comme ça, comme un gros con, c'est pas génial. Ah, toi t'es mort, ça y est. Plus qu'un. Qui va crever normalement ici, avec cette bombe-là. Parfait. En bas, donc. Voilà, il doit rester encore une salle après, deux, grand max. Allez, toi, tu vas claquer. Bon, bah, The Chest, hein, easy, j'ai eu des gros objets, vraiment une run OP dès le début, quoi. J'ai vraiment eu du cul.
Une autre run, ce sera peut-être pas aussi chanceux que ça. Hein. Allez, allons voir cette dernière salle avant d'aller finir le jeu. Et si on allait reroll l'objet, hein, juste pour le lol, je vais le prendre. Alors, que vais-je avoir? Picking Shears. Voilà. Ça ne servait à rien. C'était juste pour les lulz. Et sûrement dernière salle. Ok! La salle la plus difficile du jeu. Voilà. Ah, j'ai même pas cherché les secret rooms, rien à foutre. Ça aurait pu être drôle. Peut-être techniquement ici. Non. Peut-être en bas. Non, je ne sais pas. Et puis voilà. On va quand même tenter la secret room à gauche. Voilà, voilà. Et c'est the end. Petite cinématique avec Isaac, son papa et sa maman. Voilà, des photos mystérieuses. La maman d'Isaac est Magdalene, Maggie. Qui est la sœur d'Isaac. Isaac, où il y a un démon dans sa chambre. Oh, ça fait peur. Le papa et la maman d'Isaac étaient très heureux. Mais malheureusement, cela ne dura pas. Isaac était triste, car il était seul et n'avait pas d'amis. Il est sauf son arbre. Et c'est pour ça qu'il pleure à côté de son coffre. Coffre dans lequel on était. Chose qui est bizarre. Et soudain, la maman d'Isaac est devenue très méchante. Elle avait un couteau à la main. Isaac, je vais te tuer. Et c'est là que le papa a vu ça et il est parti. Isaac était donc très très triste. The end. Voilà. Donc c'est sur cette magnifique run totalement OP de la mort of the dead. Que je pense pas que je vais continuer. Je veux pas refaire d'autres runs, hein. C'était déjà pas mal. Ça fait 1h49 de live, c'est déjà pas mal. Hein. Donc sur ce, je vais quand même montrer cette image que j'avais faite au cas où je partais aux toilettes ou un truc comme ça. Hein. Donc c'est la Be Right Back, sauf que la Be Right Back ce sera pour une autre fois. Peut-être encore du Isaac, peut-être un autre jeu, je sais pas. Et donc sur ce, hein, sur ce, je vous dis salut à tous. La snap sans la grosse copie. Je vous emmerde bien profond. Non, je déconne. Donc sur ce, portez-vous bien. Hein, rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour la suite. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine, peut-être en live. Hein, je sais pas, je ferai peut-être une fois du Nintendo en live. Je ferai peut-être du Meat Boy, enfin on verra bien. Je referai très certainement du Isaac, peut-être quand il y aura Rebirth. On verra bien, de toute façon quand je referai, j'avertirai à nouveau. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Oh yeah. Bitches.